Je m'appelle Suzanne Durand, plus connue sous mon pseudo Suzy Lou. Je suis cadreuse-monteuse, reporter d'images indépendante. La montée des océans due au réchauffement climatique m'interpelle et reste inévitable. Des îles sont englouties, des littoraux sont modifiés et les côtes petit à petit disparaissent. La France, l'Europe, le monde entier est concerné par ce phénomène qui a déjà commencé. Les glaces du Groenland et d'Antarctique fondent plus vite que jamais. Mais une certaine incertitude demeure cependant, notamment sur le calendrier exact de cette montée des eaux. La banquise a perdu 25% de sa surface entre 1980 et 2005 et ne cesse de s'accélérer. La température des océans a augmenté et provoque également la montée des eaux. Les conséquences de la disparition de la banquise sont infinies. Des millions d'humains et bien d'autres espèces vivantes seront rapidement impactées par la hausse du niveau des mers et ce, de manière dramatique. Les glaciers fondent et la géographie des côtes change. Les mers et océans envahissent les terres et poussent les habitants à émigrer. D'ici 2100, les océans priveront 13 millions de personnes de leur maison. C'est d'ailleurs ce qui est déjà en train de se passer dans l'océan Pacifique. Avec la fonte des glaciers, la physionomie de nos côtes va se modifier et les populations seront obligées de se déplacer. Les scientifiques estiment que ce phénomène est irrémédiable, même si on arrive à stopper la hausse des températures. L'acidité des océans est l'un des principaux indicateurs de santé de l'environnement. Or, le fait que le pH des océans soit de plus en plus acide a des conséquences catastrophiques sur la nature. L'acidification a fait déjà disparaître des écosystèmes entiers. À l'heure actuelle, peu de reportages sont diffusés et c'est bien pour cela que votre aide financière va être très précieuse. Elle me permettra d'aller sur les terrains et à l'aide de ma caméra, de micros, de photos, j'immortaliserai des paysages, transmettrai des témoignages et informerai au cas par cas. Je vous propose la réalisation d'une série de reportages sur l'inévitable montée des océans. Vous tenir informé en parcourant les littoraux en France, en Europe et plus si possible. Il est grand temps de prendre conscience de nos erreurs, de nos abus technologiques et puis, surtout, sensibiliser sur la fragilité de notre chère terre-mère. Je commencerai dans le national, c'est-à-dire la France, pays où je vis, longerai le littoral français, prendrai rendez-vous avec les centres de recherche météorologique, d'ONG, des maires et les ministres de l'Environnement. Réaliser une série de reportages documentaires et de les faire diffuser via par Internet et sur des supports télé. Ma démarche, c'est aussi la vôtre. Il est indispensable de rester informé et de préserver nos mémoires. Ces reportages documentaires seront également destinés, à titre gratuit, aux écoles primaires et secondaires et à moindre coût pour les cinémathèques. Grâce à vos dons, je pourrai également inscrire les reportages à des festivals, imprimer des affiches, contribuer à la promotion du film et réaliser des DVD. Je vous proposerai de me suivre à travers mon blog. Chaque étape sera enregistrée. Je réaliserai les montages et pour chaque donateur, si vous acceptez bien sûr, vos noms figureront sur chaque générique. Alors à bientôt et grand merci pour votre soutien.